Move On maakt een documentaire over het universum van Louis Vuitton en zijn bijzondere bestellingen van lederen waren op maat. Nous sommes ici dans la maison de famille Louis Vuitton, dans laquelle a vécu la famille Vuitton pendant près de 100 ans. Un mot sur ce salon qui est un véritable chef-d'œuvre en matière d'art nouveau, notamment l'élément floral qui est omniprésent. Autour de cette maison se trouvent les ateliers historiques d'Asnières qui datent de 1859, qui représentent la quintessence de la fabrication Louis Vuitton, puisque c'est dans ces ateliers que se font les commandes spéciales, les sacs de défilé, les malles, les écrins à bijoux et certains sacs de la collection permanente. Donc c'est vraiment un mélange de tous les savoir-faire de la maison, du savoir-faire ancestral avec les malles et les savoir-faire de 1854 aux techniques les plus modernes pour les sacs de défilé. Dans l'univers de Vuitton, la malle, objet mythique chez le Vuitton, l'atelier de menuiserie où on va commencer à fabriquer le fût. Le fût étant la carcasse, toute la rigidité de la malle. Donc on voit bien le fût ici. Le fût est un wardrobe contreplaqué. Donc on voit quand même que c'est un travail manuel où il prépare sa planche, il prépare son biseau. Donc la première opération après l'atelier de menuiserie, c'est de venir renforcer l'intérieur de la malle. On va mettre une toile coton qui vient renforcer, qui vient armer le bois. Tous les bagages à main Vuitton n'ont pas de charnière métallique. C'est simplement une charnière coton. La opération très délicate où il faut que la charnière soit parfaitement sur le champ du bois. Donc on remarque la précision avec laquelle on arrive à couper pour que la toile soit parfaitement en alignement du fût. Une fois la boîte complètement nervurée, c'est le positionnement de la toile. Alors, vous voyez, toile Vuitton, on travaille toujours par symétrie. Alors on va voir le collage du côté, le collage du bois. Donc, on voit le positionnement par rapport au motif. Opération très délicate où il faut découper en laissant suffisamment de matière pour remplir la charnière. Là, c'est une pré-coupe et après il y a un ajustage de la toile par rapport au bord. Et l'odinage, c'est la pose de cornière qui vient protéger l'angle du bagage. Voilà, là, il vient de positionner pour voir si son coup était bon. L'opération suivante, ça va être le crochetage et le matage des clous. L'opération consiste à faire rentrer les clous, pas les laisser en extérieur, et aussi à faire rentrer la losine dans le bois, de façon à rendre le bagage complètement étanche. L'opération de ferrage consiste en quoi? À poser les coins, à poser les équerres, à poser les lattes. Alors tous ces rivets sont soit crochetés sur l'arrière, soit posés sur rondelles. Rivetage à l'ancienne, comme on pouvait trouver depuis le début, pour fabriquer ce type de produit. On va habiller de 8 tonites les tiroirs en bois. Donc voilà, c'est la finition d'une malle. Donc on est en train de fabriquer le capitonnage du couvercle.
Alors, la malle est terminée. Non, il ne suffit plus que de la sticker un peu. Ce qu'on peut remarquer, c'est que tous les ferrages, tout ce qu'on a pu mettre autour, bandeaux, coins, losines qui rentrent dans le bois, rendent ces bagages étanches parfaitement. Donc ces bagages peuvent voyager à l'humidité, ça ne risque rien.